Merci de votre présence. Nous vous souhaitons la bienvenue à Trianon Convention Center. Et au cas où vous ne savez pas, à ma gauche, c'est madame, ma femme Audrey Hardy. À ma droite, c'est le pasteur Marc Labonté. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour cette conférence de presse. Pour la conférence Eula 5. Le thème de notre conférence, c'est « Nous enfants bisous à nous ». Nous voyons ça partout sur les billboards, et bien sûr ce sera à la radio également. Et donc, la raison de notre choix pour ce thème de Eula 5, c'est un peu l'état général de la cellule familiale qui, je crois, est un peu désastreux. Le constat, malheureusement, est alarmant. En sus de la pauvreté, nous constatons des meurtres, des suicides, des bagarres, des divorces, des séparations au sein de cette cellule. Il y a même des bagarres entre père et mère, beau-père, enfant, enfin, bien grave. Et le résultat, bien sûr, c'est les enfants qui souffrent, malheureusement. Et qui vivent des traumatismes profonds. Souvent, les parents ne réalisent pas que leurs actions vont faire du mal à leurs enfants et agissent par manque de responsabilité. Et souvent aussi, par manque de beaucoup de choses. Les jeunes aujourd'hui se rebellent, d'autres fuguent. Les enfants, beaucoup d'enfants battus, abusés. Les jeunes filles qui tombent enceintes à 12 ans. La pornographie qui se multiplie. Au fait, c'est une société qui se dégrade, qui se désintègre à grande vitesse. Les valeurs morales et même chrétiennes disparaissent rapidement. Et au fait, c'est très important, inquiétant pour une société qui essaye de se développer et se retrouver au milieu d'un monde en marche vers le progrès. On s'occupe beaucoup de choses, mais malheureusement, il n'y a pas assez de soins et de soutien à la cellule familiale. Donc pendant cette conférence, nous voulons faire deux choses. Premièrement, nous voulons identifier les problèmes qui sont l'éducation, pas nécessairement académique, mais éduquer de bonnes manières, par exemple, aux enfants. Il y a d'autres problèmes de tous les jours, des problèmes d'origine spirituelle, et je vais vous donner un petit exemple. Il y en a beaucoup que nous avons traités pendant la conférence, mais un petit exemple, c'est la place de la maman dans la maison. Il faut réaliser que les enfants ne peuvent pas grandir comme il le faut, sans la présence de la maman, pour porter cet amour maternel que ces enfants ont besoin, emmener la discipline, l'instruction, l'éducation, les conseils, ce qui m'emmène à dire que
le rôle de la maman est irremplaçable dans une famille. Irremplaçable. Nous allons bien sûr parler beaucoup de cela. C'est vrai aussi que le père a bien sûr sa part, mais c'est à la maman la responsabilité première d'élever les enfants, surtout quand le père est au travail. La question qu'on se pose aujourd'hui, où est la maman? Au travail ou à la maison? Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Une liberté sans contrôle. Savent pas, les parents ne savent pas ce que les enfants font derrière eux. À la télévision, à la maison, à les smartphones. Et les enfants sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Par le manque de présence de la maman dans la maison. Donc ça, c'est un des problèmes que nous allons partager, parler pendant cette conférence. Et la deuxième chose que nous voulons, bien sûr, c'est ne pas seulement parler des problèmes, mais essayer d'emmener une solution quand même. Il y a bien des solutions à tous ces problèmes. Donc nous allons aborder les solutions, qu'ils soient, comme je disais tout à l'heure, éducatifs ou spirituels ou autres. Et je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est très très important. Parmi d'autres exemples, je crois qu'il y a la part des parents dans l'éducation spirituelle des enfants. Chose qui aujourd'hui, nous ne voyons presque pas. Il est important de comprendre que la place du Seigneur dans la vie des parents, dans la vie des parents, c'est la solution primordiale pour restaurer, pour guérir, pour unir et construire une famille solide. Ma question, c'est, sans le Seigneur, sans Jésus, comment faire pour prendre notre responsabilité et faire grandir les enfants comme il faut. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur, et pour cela il faut le reconnaître, le connaître, et bien sûr lui donner notre vie en tant que parent. C'est ça qui nous aidera à comprendre beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses, et à prendre notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et de là vient ma question. Que préférons-nous en tant que parents? De l'argent? Du confort? Vivre sans le Seigneur? Et voir nos enfants finir dans la drogue? La pornographie? La délinquance des mamans prématurées? Prisonniers, rebelles, ou alors donner sa vie à Christ, le permettre de nous aider à accomplir notre devoir des parents envers nos enfants. C'est là la clé avant toute chose. C'est vrai que nous pouvons chercher notre bien-être matériel et regarder à nos besoins dans une famille, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut abandonner notre responsabilité. C'est pourquoi chaque parent, père ou mère, doit faire le choix. Doit faire le choix entre laisser aller, un laisser aller pour permettre à nos enfants de finir, premièrement, loin des parents, indépendants, etc. Ou alors, les préserver
Et pour cela, on a besoin du Seigneur. Les enfants crient. Peut-être que nous n'avons pas les oreilles pour entendre. Ou peut-être que nos oreilles n'entendent pas le cri. Nous bisons nos parents. C'est un cri de souffrance que nos oreilles n'entendent pas. Mais un cri qui se traduit par des blessures intérieures, des réactions anormales chez les enfants, beaucoup de rancunes envers les parents qui n'ont pas su être là auprès d'eux, les entourer, les aimer, les donner de l'affection parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils sont ailleurs. Des fuites, des actions de rébellion, des actions de brutalité. On disait, il y a quelques jours, il y avait un journaliste dans mon bureau qui me disait, par exemple, qu'il allait à la gare de bus et juste de voir la colère, la brutalité, le non-respect des jeunes envers des grandes personnes. Finalement, les enfants sont les victimes. Les victimes des parents irresponsables. Les parents qui ne savent pas vraiment leur propre responsabilité première. Il est temps d'accepter cette vérité. Il est temps de l'accepter, au lieu de pointer le doigt sur les problèmes. Mes enfants peuvent avoir accès à la drogue, c'est un problème. Ils peuvent avoir accès à tellement de choses qui les détruisent, tout ça sont des problèmes. Mais est-ce que c'est possible quand même de les prévenir, de les éduquer, de les instruire et leur donner une base, un fondement spirituel dans leur vie? C'est le défi que nous voulons lancer aux parents pendant cette conférence. C'est ça le grand défi. Nous voulons lancer aux parents un vrai défi pour essayer d'emmener une solution à ce problème grave, où nous voyons les enfants grandir dans une société et détruire leur vie. Pourquoi faut-il que les parents pleurent quand ils voient leurs enfants s'orienter vers tout ce qui peut les détruire? Donc, mon avertissement, on dit à mon conseil, et pour faire cette conférence, je répète encore une fois, nous voulons lancer aux parents un défi. Il y a une solution, il y a la possibilité de restaurer, de guérir, de ramener les enfants sur un chemin qui emmène à la vie et non pas à la destruction. Je termine avant d'annoncer quelque chose pour dire que Jésus a dit, il y a un chemin qui est étroit, qui mène à la vie, mais il y a un chemin qui est large, qui mène à la destruction. C'est
notre message, c'est notre défi, notre challenge à tous, parents, enfants, grands-parents, à toute personne. La solution, c'est le Seigneur. Et pour conclure, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'honorable Aurore Perrot, ministre de l'égalité des genres, du développement des enfants et du bien-être de la famille, fera l'inauguration à notre conférence vendredi 11 septembre à 18h30. Avant d'inviter le public, je vous invite à être des nôtres vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13 septembre à partir de 18h30 à Trianon Convention Center. Il y aura aussi en live, la conférence sera en live sur eula.mu. Eula.mu en live pour quiconque ne pourra pas assister à la conférence, ben, ils auront l'opportunité en live d'écouter. Ben, mes chers amis, merci pour votre présence. Et si vous avez quelques questions ou une, j'essaierai à tout prix de vous répondre. Merci encore. Donc c'est une conférence pour les parents, Oui, écoutez, ça dépend de la grandeur des enfants, mais oui, c'est principalement pour les parents. Ça concerne leur responsabilité envers leurs enfants. Pour les filles mères aussi, les filles qui sont... Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des filles qui ont des enfants, sont de plus en plus jeunes, donc ce sont des jeunes parents. Bien sûr, au contraire, ce serait une très bonne chose pour eux d'être présents. Qui va animer la conférence? J'animerai la conférence personnellement pendant les 3 jours. Et une bonne chose, c'est que nous, en principe, si on peut s'organiser, nous allons donner l'opportunité à ceux qui sont là de poser des questions avec réponse tout de suite, à la fin de la conférence. Donc, ça sera possible de poser des questions et pour nous répondre. Est-ce qu'il y a un frais de participation? Non, il n'y a aucun frais de participation. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Vous comptez accueillir combien de personnes? Écoutez, la salle peut contenir 3000 personnes et nous comptons avoir autant de personnes. Moi, je crois que il y a les parents aujourd'hui portent des œillères et ne réalisent pas que c'est eux-mêmes les acteurs principaux de la construction d'une famille. Et nous sommes en train de voir des parents courir une course vers, allons dire, leurs besoins, leur confort. Et ne voient pas leurs enfants comme la chose principale de leur vie. Leurs enfants, grandir leurs enfants, devrait être le souci principal des enfants, de nos enfants, des parents aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Je crois que c'est bon de pouvoir les équiper, poser un bon fondement dans leur vie depuis très tôt, de les instruire dans beaucoup de choses, et surtout que ces enfants-là puissent ressentir ce cœur maternel, cette présence maternelle, et aussi bien dans la famille, la présence du Seigneur. Je crois que toutes ces choses-là
vont créer cette plateforme pour pouvoir emmener l'enfant à prendre sa responsabilité, à grandir dans des conditions favorables à leur épanouissement, pour pouvoir plus tard prendre leur vraie place dans la société. Et je pense que ça éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qu'il y a aujourd'hui et que tout le monde, les ONG, le gouvernement, tout le monde, nous sommes en train d'essayer rapiécer un pantalon. Mais je crois que ce n'est pas le moment de rapiécer un pantalon, c'est le moment d'aller un petit peu à la racine du problème et tackle le vrai problème. Et c'est pourquoi que nous, ce que nous voulons, c'est partager avec les parents un peu la solution à cela. C'est pourquoi ça serait un défi pour eux, parce que ça doit emmener un changement d'attitude, un changement de responsabilité dans la vie des parents. Donc c'est ça que nous voulons. Mais à écouter les parents, on a l'impression qu'ils font tout quand on rencontre les mamans, ils disent que, vous savez, je travaille pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, et s'ils sont en train de faire le tout, ils sont contraires. Vous voyez, j'ai dit une chose tout à l'heure. J'ai dit que les parents doivent faire un choix. C'est pas manque de compréhension, et aussi quand on est englouti vers un système, le système de ce monde qui pousse, qui emmène la maman en dehors de la maison. Et c'est là, c'est un petit peu la cause de beaucoup de problèmes, malheureusement. Nous ne prétendons pas avoir toute la solution concernant ce problème particulier, mais je crois que nous aurons quand même pas mal de lumière, et je crois que les parents devront arriver à comprendre que malgré qu'ils font beaucoup de choses pour leurs enfants, ils achètent pas mal de choses pour leurs enfants, ils donnent des cadeaux aux enfants, ils compensent leur présence par d'autres choses. Alors, c'est pourquoi il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a un défi, et ceux qui sont prêts à prendre le défi, je crois qu'ils vont pouvoir récolter. Mais par contre, ceux qui ne voudront pas prendre le défi, ils vont subir. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les parents subissent le résultat de leur manque de responsabilité. C'est pas une critique que je fais, c'est pas une condamnation que j'emmène, mais c'est une prise de conscience plutôt. C'est une lumière, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Les parents ont besoin de saisir et, bien sûr, par la suite, répondre ou ne pas répondre. Une autre question avant de terminer? Si je peux dire quelque chose, je pense que les parents, que tous les parents aiment leur enfant. Je pense que tous les parents... Ok. Je pense que tous les parents aiment leur enfant. Je pense qu'ils veulent tous le bien de leur enfant, mais ils ne savent pas s'y prendre. Ils ne réalisent pas le vrai besoin de leur enfant. Et comme le pasteur disait, ils compensent cela, ils essaient de compenser leur absence avec toutes sortes de trucs matériels, pensant que ça va rencontrer le besoin de l'enfant, mais ça ne rencontre malheureusement pas le besoin de l'enfant. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants, bien que leurs parents les aiment, mais ne ressentent pas l'amour de leurs parents, puisque de me donner des jouets, de me marcher des choses, ne me fait rien ressentir. Donc il y a ce gap qui est là. Et bien souvent, les parents se disent « Ah, mais alors, j'ai tout fait pour cet enfant, je me suis privée, j'ai travaillé, j'ai la sueur de mon front, aujourd'hui est ingrat. » Mais c'est parce que l'enfant, il se rebelle, parce qu'au fond, lui, il y a un besoin profond qui n'a pas été rencontré. Il se sent rejeté, il ne se sent pas accepté, il se sent rejeté.
Et quelque part, ben voilà, on met tellement d'argent et aussi, ben on veut qu'il réussisse, puisqu'on veut mettre de l'argent de côté pour qu'il réussisse, on met de la pression sur lui, pour qu'il produise des résultats dans son école. Bien souvent, c'est pas les enfants, pas tous les enfants sont académiques. Donc, ça vient emmener une autre frustration et un autre sujet conflictuel entre les parents et les enfants. Et ce qui se passe, c'est que ces situations conflictuelles ne sont jamais réglées. Jamais on arrive à s'asseoir, en parler, ou un parent va venir dire « Écoute Jacques ou écoute Thomas, pardonne-moi, je me suis excitée, quoi, je me suis empantée, mais excuse-moi. » Mais il n'y a jamais cette réparation. C'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des incidents qui s'accumulent les uns sur les autres sans de réparation et il n'y a jamais de restauration. Ce qui fait que ce gap ne fait que s'agrandir entre les parents et les enfants. C'est pour ça que les enfants, ils fuient, ils essaient de fuir dans d'autres choses. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils ont besoin. Et ce n'est pas que les parents ne veulent pas, mais ils ne savent pas. C'est pour ça que je crois que ben, le Seigneur est concerné par les parents avant tout, et il est surtout concerné par les enfants. Et quand nous voyons la pédophilie, ce qui se passe dans les maisons, nous voyons sur les journaux, ce qu'on voit sur les journaux dans la presse, ce n'est que le tip of the iceberg. Les grands-pères qui abusent des petites filles, les papas qui abusent de leurs enfants. Mais ça, ce n'est que le haut du iceberg. On n'est pas du tout au courant puisque les mères, les mamans ont très peur de pouvoir en parler. Elles ne veulent pas en parler puisque si elles en parlent et que le mari quitte la maison, elles font comment pour vivre et nourrir les enfants? Donc, et encore, c'est une blessure énorme pour l'enfant qui réalise que sa maman ne prend même pas sa part. Donc, c'est des problèmes tellement énormes qu'il n'y a que le Seigneur qui peut résoudre ces problèmes. Humainement, on peut essayer d'arriver des philosophies, on peut essayer d'emmener des conseils, les parents vont chercher des psychologues, mais tout ça, ça a des limites, ça a des limites. Le cœur de l'enfant lui-même, il n'y a que Dieu qui a accès au cœur de l'enfant. Et moi, je crois que nos enfants souffrent beaucoup depuis l'industrialisation où les mamans ont quitté la maison, où vraiment ben, les enfants sont livrés aux grands-parents, sont livrés aux infirmeries, ou soit aux crèches, aux maternelles. Et il n'y a plus ce contact, quoi. Ce cordon qui était là n'existe plus. Et on récolte ce qu'on a semé. Et c'est ce qui se passe. Donc cette société a vraiment besoin de se réveiller et de prendre conscience. On parle de cancer, on parle de maladie, mais c'est pire qu'un cancer, c'est quelque chose de très très profond qui détruit l'intérieur même de l'enfant. Sans compter les séparations, les divorces, où l'enfant ne comprend rien. C'est dramatique tout ça, c'est vraiment dramatique. C'est ce que le frère Mickey disait, que ben, toutes ces valeurs morales, ces valeurs chrétiennes, s'effritent à vitesse grand V, et le train est en marche, et qu'est-ce qui va arrêter ça? Qu'est-ce qui va pouvoir arrêter ça? C'est quelque chose qui se propage à tous les niveaux de la société. Et ben, on espère que, ben, moi personnellement, j'ai appelé quelques parents que je connais, que les enfants ont des problèmes, on parle beaucoup de dyslexie, on parle beaucoup d'enfants qui sont introvertes. Il y a différentes réactions. On voit aujourd'hui, comme il n'y a jamais eu, il y a les enfants hyperactifs, les ADD, il n'y a jamais eu autant de tout ça. Il n'y a jamais eu autant dans la société. Les ADD, les enfants hyper tendus, les enfants qui sont stressés. Il y a des enfants qui sont sur des antidépressants. Ça, ce qui arrive, c'est qu'on traite ces problèmes-là sans vraiment apporter ce qu'il faut. Mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas le psychologue qui va pouvoir apporter ça. Ce n'est pas le médecin qui va pouvoir apporter ça. C'est un truc qui doit repartir à la source. Voir de là où on a passé à côté, de là où on a quitté tout. Et revenir à la source. Et encore une fois, il faut choisir. Hein. C'est bon de pouvoir avoir de l'argent, d'acheter une maison, d'acheter un frigidaire, d'acheter une télévision. Mais si tout ça, c'est aux frais et aux dépens. Et je vais perdre. C'est dans la balance, j'ai mes enfants et j'ai tout ça. Moi, je choisis mes enfants. Je choisis mes enfants tout le temps. Absolument. Non, mais...
Et on invite tout le monde et on vous remercie de pouvoir encourager les parents à venir. Moi, personnellement, j'étais venu à quelques parents, je sais, dont les enfants luttent, des enfants ont beaucoup de difficultés, des enfants... Fouf. Et Mme Aradi disait quelque chose tout à l'heure, une seconde, tu peux continuer après. Elle disait quelque chose, comment est-ce qu'un parent, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'enfant ne ressent pas que les parents viennent et demandent pardon à l'enfant. Mais comment faire ça ? Dans le naturel. Comment faire ça? Les parents sont tellement orgueilleux d'une manière et tellement se sentent, allons dire, que l'enfant a toujours tort. Pour lui de venir demander pardon, c'est difficile. Mais quand on a le Seigneur, c'est là où on fait le pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on a besoin de la présence du Seigneur dans notre vie, dans la maison, pour pouvoir régler et gérer tous ces problèmes. Oui, puis ce sont le Seigneur de demander pardon sera un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est une grande force. Exactement. Et c'est ça qui peut emmener une restauration dans nos enfants et dans nos familles. C'est ça qui peut ressouder ce qui a été cassé. Et malheureusement, ben, on a perdu le nord, on ne sait pas où on va. C'est la course vers tout, sauf pour chercher justement la sécurité, le bonheur de nos enfants. Ce n'est pas les études, ce n'est pas les diplômes. Vous voyez devant vous quelqu'un de très heureuse, mais je ne suis pas diplômée, j'ai même pas passé ma senior, j'ai échoué, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas réussi dans ma vie. J'avais une famille extraordinaire, une famille soudée, des parents qui... Je n'ai jamais entendu mes parents se battre de ma vie. Je n'ai jamais entendu un mot désagréable de la part de mon père vis-à-vis de ma mère. Donc, c'est tellement puissant tout ça. Où est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui? La violence, les nerfs, l'impatience. Je pense à quelque chose. Quel parent aujourd'hui, je dis quelque chose de bête, mais c'est tellement vrai. Quel parent qui a le temps de prendre son enfant sur ses genoux, de lui faire un petit câlin, de caresser ses oreilles, faire des petits bisous. Le matin dans le lit, moi le matin je me réveillais, je sautais dans le lit de mon papa et ma maman. On était six enfants, parfois on était les six dans le lit de mes parents. Aujourd'hui, mais à 5h du matin, le lit est vide. Les parents sont déjà partis. Il y a ce moment d'affection, ce moment de tendresse. Il n'y a plus. Et c'est tellement important pour cet enfant-là. C'est pas juste quand il est petit bébé, gros bisous, gros bisous, gros bisous, mais au contraire, plus il grandit, plus il a besoin de cela. Et de le priver de cela, ben c'est quelque chose de... On le prive de l'essentiel. Occasion rêvée de parler de l'école des parents avec Madame la Ministre. Pardon ? Occasion rêvée de parler de l'école des parents, qu'on peut remettre en place avec Madame. Écoutez, moi je pense que il y a pas mal d'ouvertures devant nous et que on peut faire confiance au Seigneur pour emmener quelque chose, pour faire que les gens réagissent. Il y a besoin d'une réaction. Les gens sont en train de, ils sont ensommeillés, ils sont dans une course comme ça, ils sont en train d'ensommeiller. Et pour nous de parler de ça, Madame la Ministre, ce serait vraiment une aubaine. Et on essaiera d'emmener notre part, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Mais elle est très ouverte, Madame la Ministre. Non, je crois qu'elle aime. Elle aime les gens et elle est vraiment concernée par ce qu'elle voit et ce qu'elle vit, ce qu'elle voit autour d'elle. C'est dur.